Rebonjour YouTube, on est parti pour la marmite. Nothing like a quick nap after a hearty meal. Voilà, défi qu'on n'avait pas réussi, ça fait un petit peu d'XP, ça fait un peu de machin. Donc on va tenter celui-là, puis après on tentera celui d'à côté, le matelas. We've all got stories worth telling. Il nous restera du coup le défi du lance-roquette. Et après, bah, niveau de fin. Et quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, on fera le niveau de fin. What's he thinking? Let me see if I got this straight. I only heard it once. Alors, vous avez vu que j'ai adopté la stratégie de... Voilà, je mets des tourelles partout. Et maintenant, j'attaque au lance-flamme. Et on va aller se jeter sur les toniques qui apparaissent. Once there was a normal Ura pour continuer à poser des tourelles. She wasn't born in the Tazzle terminals like the rest of the people. On va se faire une armée de tourelles. Voilà, c'est une technique lame, comme on dit. On a pris le lance-flamme pour les plantes, bien sûr. Taken in and raised inside the city, on condition they would never return to the terminals. Oh! Putain, mais ils attaquent mes tourelles, salaud! Ura refugees who came into the city had to stay for life. It was a way to reduce the risk of city secrets leaking out. Oh! J'avais pas vu le tonic. C'est bien, c'est les tourelles qui font tout. J'aime beaucoup. Je triche comme d'habitude. Après, j'aurais juste à rester dans mes tourelles. Her father was sharper than a brusher's pike, so he got a job working for the city's mancers. His daughter barely saw him. J'ai placé les deux à côté parce que... Oh putain, il se fait atomiser le cul. Bien, ça passe bien ma technique de... ma technique de feignasse, ça passe. It's for your own good, he said. Faut juste à base de tonique, hein. Et que j'arrête de me gourer de boutons avec le lance-flamme. Mais... tant que j'arrive à rester en vie... She took to studying the arts. Learn more through music than history books. Gain a knack for strings and songs. Alors là, je suis un peu bloqué dans le sens où ça va me poser une tourelle à un endroit que je veux pas. Ah, tant pis. Tant pis, je pose une tourelle à un endroit que je veux pas. Reviens! Reviens, Léon! Moi, je tombe quand même. At first, she tried to be like other girls, but her classmates spread word that her father was an Ura trader, selling out the city. Oh, la technique de l'aimer! One young man stood up for her, so he led her to believe. He knew much of her heritage, and she grew fond of him. So, au contraire, faut que je le joue loin de mes tourelles pour éviter qu'il m'atomise le. Atomise mes tourelles pour rien en fait. Aïe. Voilà, vise-moi moi, pas mes tourelles. Ah, il est chiant.
Meurs! Mais meurs! Mais non, pas les tourelles, bordel! Viens, regarde, je suis bien là, moi. Voilà, merci. The young man convinced her to take him to a family den to meet her father. Spoke of how he wanted to meet a man from the terminals. Une tourelle de plus. Oh là. Les tourelles font tellement le taf. When the young man greeted her father in the Ura's native language, her father une autre tourelle. Into a fit of rage. On va la passer. Là. Ah, je viens d'en placer une et c'est déjà fait détruire. Détruite, pardon. The young man never told her that the Ura's native language is not to be used by foreigners. J'aurais peut-être dû plutôt les éloigner plutôt que les rapprocher les unes des autres. Bon, c'est pas grave, je pense que. On est quand même bien parti pour réussir le défi. It was then that she decided to escape. The two of them could flee the city together. Oh là là, on peut reposer trois tourelles, alors là. On va pas gêner une par là. They would hide inside a garbage bin until it got ingested by a scumbag. Et then let him slosh on out of the city for disposal. Voilà. Poser les tourelles partout. Non, mais non, pas moi. Oh non, il a détruit toutes mes tourelles, salaud! Non! Détruisez pas mes tourelles! C'est là qu'on voit que mon build est assez faible contre ces mobs-là. Her plan almost succeeded, but the authorities were already there when that scumbag. Oh, ils m'ont défoncé mes tourelles! Ils m'ont défoncé mes tourelles, bande de salauds. Faut que je tente pour mes tourelles en fait. The young man had sent allez-y, the déposez des fortifiants là, ça serait sympa. Father was using her to sell secrets to the Tazzle terminals. Ah c'est ça, en fait j'aurais peut-être dû les éloigner là. She and her father were arrested for treason, but her father got a deal. Return to work. Non mais genre, y a pas de fortifiant, non? Tonifiant, allez, je veux de la tourelle. Je veux de la tourelle. Parce que sinon, mon build est faible hein, pour un boss de fin ou un truc comme ça. C'est quand même bien crevé, quoi. Before they parted ways for the last time, her father whispered a desperate plea. Ok, il me reste 3 tourelles. And lock yourself in. Ah non, 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 pas le boss. C'est le dernier niveau ou c'est moi? Non, c'est moi. C'est ouais, non. Ou alors hier, je peux les laisser attaquer le temps que ça disparaisse. Ok. She did as she was told, and deep down underground inside that den, she found a journal in her father's hand. Ah, j'affronte mon ombre. Très bien. Maison. Oh, c'était pas le moment de mourir. The door to the den turned to ash. The girl came up for air. C'est fini? And she saw the calamity all around her. Oui, c'est fini! Je n'ai pas croisé Xéphite, pas du tout, il n'est pas venu. Du coup, je n'ai pas pu transmettre ton message. Et je ne peux pas prendre du coup ma part. When a kid wakes up, his world still in pieces.
Bon, eh ben la technique de salaud a fonctionné. On va tenter le matelas de la même façon. Could use a little shut eye, I suppose. The calamity took everything from us. Might be it took even more from Zolf. D'accord. Allez, debout. Go. On va faire la même technique de salaud. Et du coup, ce coup-ci, je pose des tourelles dans tous les angles. Ah ouais, bah c'est pas une bonne technique les tourelles. They met on the worst day of Zolf's life. Elles ont déjà pris Bagdad. Je suis pas sûr que ça soit une bonne technique. Ici les tourelles. Ah oui, non, c'est clairement pas une bonne technique. Les cocoricos là, ils arrêtent pas de défoncer mes tourelles. Non, c'est pas une bonne technique ça. Ah oui, bah oui. Ou alors faut peut-être attendre qu'ils soient passés pour poser le. Pour poser ce genre de piège. Enfin, pour poser les tourelles. C'est-à-dire, je me fais le premier niveau. Au lance-flamme, c'est quand même pas ouf. He was born to a simple or a couple. Who didn't last long before plague took him. Ah. Hungry in the tunnels of the Tazzle terminals, so we took to stealing from a Ceylonian missionary living there. Ah oui, d'accord, ça fait. Ah oui, ça finit par ça. Ah bah oui, bah non. Non, c'est clairement pas ouf les tourelles. He once got sloppy with his thieving hands. The missionary caught him. But didn't rat him out. Ah, je vais le finir. Je vais le finir là. Hein. Il reste plus. Là, je suis en train de faire les défis restants, mais là, ce que j'ai pris, c'est pas la bonne technique. La technique des tourelles. C'est pas la bonne technique. Je me demande du coup, c'est quoi la technique? Parce que je pense pas que le l'arme ultime soit intéressante non plus. Je me demande. That missionary raised Zolf like a gentleman. Like it was his own son, taught him theology, history, and mercy. D'accord. Les tourelles, c'est pas ouf dans ce monde. Je suis en train de demander si les guns, le double gun serait pas franchement pas mal ici. Comparé aux tourelles et en pouvoir ultime. Allez. When the missionary passed away, Zolf promised to continue his work. Bring about a lasting peace between the ouais, je ne sais pas, je sais pas si je vais arriver au bout de celui-là déjà. Au bout de ce défi-là. Est-ce que je vais pas mourir avant? Ah merde, je pensais que.
Je suis devant lui. J'ai mon bouclier, il attaque quand même. Bravo. Zolf started teaching the missionaries wisdom to any Ura who would listen. And listen they did. Hop là. Je replace des tourelles du coup. Ces tourelles-là font vraiment très très mal. Ça c'est juste chiant, ça fait pas forcément mal. C'est juste très très chiant à descendre. He advocated tolerance and argued that the Ura should atone for the war. He believed the city had much to teach his people. On est à 12. Ouais, je suis même pas à la moitié quand même, hein. Je suis pas à la moitié. Non, attaque pas les tourelles. Je joue pas la conne. However, Zolf felt he could only do so much in the bon après, s'il me redonne des tourelles en permanence comme ça, ah mais non, mais c'est eux, ils sont chiants. Parce qu'en fait, eux, ils peuvent attaquer mes tourelles sans se faire taper. Et ça, c'est nul. Ça, c'est pas fair play, ça. He decided to do what the missionary did many years before. He left the city of his youth to brave a savage land. Cramez le cul. Cramez le cul. Oh bah j'ai eu du bol que la tourelle ici tombe derrière le... Ouais non, non. Wow, 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 wow. Vraiment exploser le fion là. Et je peux plus me soigner, hein, c'est ça qui est beau. Sauf que tant que je ne peux pas tuer ce pigeon de merde. Avoir du mal à régène. Ah. Ok. Il reste un ennemi et si je m'approche, je le bute. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ouh. Ça. The journey was hard, but he knew how to fend for himself. And then at last, combien on est? Combien on est arrivé là? 9 reflets. Ok, bah j'ai perdu, hein. C'est pas grave, il me reste une chance. Laissez-moi tranquille. J'aime bien prendre le temps de leur envoyer quelque chose dans le cul. And in turn he fell in love with the city and its people. One in particular. Ah, 8 reflets, j'arriverai pas au bout, je pense. Ces monstres-là m'obligent à être tout le temps mobile. Le mortier est pas mal, mais il prend trop de temps à charger. This young lady was fascinated by the Ura, survécu plus longtemps que ce que je croyais, mine de rien. Je pensais tomber à cette heure. She knew all the city's best kept secrets. Est-ce
Est-ce que ça me fait du mal? The Hanging Gardens. Oh non, ils m'ont empoisonné, non! Salaud! Ok, bon bah je suis mort. Ah, avant que le tir arrive, il s'est redéplacé. Wow. Chaque fois je frôle la mort. Oh là là. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Mais c'est pas pour autant que je vais pas essayer. S'il vous plaît, de la vie. Built like in a den, but something was wrong. Quatre reflets, non mais oubliez, il me reste que dalle de vie, c'est mort. C'est foutu. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Voilà. That story don't end well anyway. Tout à fait, retrobation. Donc la technique utilisée n'était pas la bonne. Mais au moins, j'ai essayé. Alors. Du coup, est-ce que on partirait pas sur la petite épée au cac ou le gros marteau, c'est pas mal aussi. Les deux les trucs et en aptitude. Volet de balles, innombrable. Ça pourrait être pas mal. Allez. On tente sa chance avec ça. On teste ce bulle. Alors Thomas, moi j'attends toujours ton classement par contre. Savoir où en es-tu? Zolf had difficulty telling me a story. Haven't heard it. I could understand why. Le seul souci du jeu, c'est peut-être potentiellement qu'on ne peut pas passer certains événements. Par exemple, ça, je peux pas le passer. Ah, j'ai gardé le. J'ai gardé les. Allez. Oh. Ah oui, d'accord, ça démonte bien ça. Par contre, à utiliser quand ils sont voilà, quand ils sont. La vie, pour l'instant, c'est pas voilà, c'est pas un problème. Ah, c'est bien, quand ils sont en terre, je dois pouvoir les taper avec le marteau. It wasn't the first time Zolf had nothing to lose. He was born to a simple Ura couple who didn't last long before. Je vais terminer. Non, mais c'est pas pressé.
par contre, je peux me débarrasser de... He grew up hungry in the tunnels of the Tazzle terminals, so he took to stealing from a Ceylonian missionary living there. J'avance des tourelles et bam, pastèque. Ok. He once got sloppy with his thieving hands. Ok. The missionary caught him. Bronze 2. But didn't rat him out. Instead, he offered to take him in. C'était en saison 6, je crois, où j'avais été placé bronze 2. J'avais un petit peu eu du mal à sortir, mais une fois que c'est sorti, ça va. On a un petit peu de. C'est ça que je pense que je dirais dans League of Legends, c'est qu'il faut. Faut jouer pour monter, il n'y a pas de mystère. C'est même pas une question de niveau, faut juste jouer pour monter. Mais bronze 2, ça va, c'est correct. Si c'est, je ne sais pas quand est-ce que tu as commencé à jouer, si ça fait longtemps, si tu y joues beaucoup. Ça, c'est des choses. Mais bronze 2, ça va. Après c'est toujours voilà le problème c'est toujours le bronze bah voilà il faut bien un niveau en dessous mais il faut bien voir que jusqu'à ah je sais plus c'est quoi la stat mais je crois que jusqu'à gold 3 2 je sais plus quelque chose comme ça il y a quand même 95% des joueurs qui sont entre eux en fait inférieurs à gold 2 et en dessous pour voir qu'il n'y a pas beaucoup au final de joueurs qui sont diamant chal plate Zolf started tout ce que vous voulez, c'est une minorité, hein, ces personnes. Alors, bien plus fortes, mais... Une game par jour, déjà, ça c'est pas mal. La régularité, on va dire, c'est pas mal. Et depuis octobre, donc si c'est ton premier classement, parce que je sais plus comment t'as commencé la saison... Franchement, c'est correct. Y a pas à rougir, y a pas... He advocated tolerance and argued that the Ura should atone for the war. He believed the city had much to teach his people. Ok, je l'ai one-shot en fait avec le bouclier. Ouais, je l'ai one-shot. Donc si je suis en garde et que je m'avance deux, bam, one-shot. Voilà, genre de conneries. Voilà, j'attends qu'il tire toutes ces merdes et ça passe. Zo felt he could only do so much in the Tazzle terminals. Tant de... Tant de tonifiants, mais pas ce qu'il me faut. Decided to do what the missionary did many years before. He left the city of his youth to brave a savage land. Généralement ce qu'ils appellent les MMR vierges, donc c'est-à-dire tu as créé ton compte et tu as commencé à jouer. Le maximum, je crois que tu puisses faire, c'est gold 5. Ah, je ne sais plus. Ça, faudrait que voilà, je vais te dire des conneries si je m'aventure plus là-dessus. Ok, j'ai tout raté. J'ai oublié d'éteindre mon portable. Non mais c'est eux, c'est ces pigeons là qui me cassent les noix. Ah, c'est vraiment ces pigeons-là qui me cassent les noix.
The journey was hard, but he knew how to fend for himself. Tac. And then at last, Zolf saw the rippling walls on the horizon. Là, il est pas ouf. Hein. He endeared himself to city folk straight away. On en est où? On en est à combien là? In turn, he fell in love with the city and its people. One in particular. 8, 8 reflets. Ah, là par contre ça va être chiant. Je pense que là ça va être chiant. Vous comprenez le niveau de chiantitude de ça? Oui, on est d'accord. Alors, est-ce que... Alors, ça dure pas assez longtemps pour que je puisse faire quelque chose de sympa. Les tourelles, c'est bon. Est-ce que vous voyez le niveau de chiantitude de ces oiseaux ? Ah, je pensais que les plantes, on avait atteint le summum de l'emmerdement. Bah non, ils ont inventé les oiseaux. This young lady was fascinated. Ah non, mais non, là j'ai des tonifiants, il me faut de la vie, des HP, s'il vous plaît. She told him she knew all the city's best kept secrets. C'est l'ulti de Lucian, ouais, exactement. Boum. Lui, bonjour. Pam. Prends ça dans ta gueule. De la vie, bordel! De la vie! It was there that Zolf clasped her hands and proposed in proper Ceylonian style. Ah, mais si. Ah non, mais si ça. Non, mais si ça lui fait rien, je peux rien faire moi! Bordel! De toute façon, je peux les prendre là tous les fortifiants. Ah, par contre, là-dessus, c'est là où le lance-flamme est utile. Ok. He celebrated with his friends. Ah, puis maintenant, la vie, ça tombe. Ah, d'accord. Joy bravo. And revelry like it never seen. Too bad he couldn't remember it all. Mais effectivement, ça ressemble à l'ulti de Lucian. Faites eux, voilà, faut que je me protège, j'avance, et en un coup, bam! Bah, pas en un coup pour tous. C'est passé! Il en reste combien? The Ura Ceylandian War Memorial, built like an Uruden. But something was wrong. Oh non, pas encore eux, non, mais j'ai été gentil, moi! 4 reflets, ok. Non mais les pigeons là. Oh les. C'est vrai qu'il y a ça, ça c'est je crois que aussi. Les pistolets font pas très mal. He emerged from that hole in the ground into a waking nightmare. Everything that wasn't gone. 3, plus 3, allez. Et après on va y aller, hein? Alors, je comprends pas trop l'intérêt de ce level. Mmh.
Alors plus je reste en bouclier, plus je vais faire mal à la sortie du bouclier, ça vous l'avez tous compris, bien évidemment. The world was frozen. Ok. You can do it! You can do it! What oui, few faces enfin, je vous complète ta phrase. Stared back at yes, we can! Là, parfait, ça c'était cool ça. Alors on s'aligne de façon voilà, à ce qu'elle se tire dessus par la même occasion. On joue safe, on joue la sécurité. Là, elles sont 3. Alors ce qu'on va faire, c'est on va avancer discretos comme ça derrière le pilar. Trundle style. Au pire, rester qu'à la gueule. Et bim! Voilà, nice! He found his wife to allez! Be asleep inside her home. But when he reached out to her, she joined with all the ashes in the sky. C'est qui mon streamer LOL préféré? Alors, excusez-moi, je me concentre un petit peu. Je dirais que c'est Alderiat. Après, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Alderiat, parce qu'il a ce côté complètement décalé tout en alliant un très gros skill. Enfin, très très bonne connaissance de jeu et très bon. Voilà, j'adore ces on va dire ces phases de lane. Et il est super délirant, donc j'aime beaucoup. Après, c'est dans le style pas trop sérieux. De manière générale, j'aime beaucoup l'équipe d'Eclipsia. Je veux dire, Chap en jungle, j'adore beaucoup parce qu'il sort des champions assez atypiques. Et il a ce côté un peu foufou et un peu. Voilà, un peu différent. J'aime beaucoup Chap. À ce niveau-là. Ensuite, il y a beaucoup Wax et Kaylan, mais plutôt dans le style très calme, très posé. Ensuite, il y a Nono, en tant qu'ADC, que je trouve très bon. Who knows? En tant que support, c'est clairement c'est DFG que j'adore, regardez. Très drôle aussi. Gob GG, mais bon, c'est pareil, il a un éventail de champions un peu pas très important, et j'avoue que j'ai aucun streamer mid lane que j'affectionne. Plutôt tendance à regarder toutes les autres lanes, mais pas la mid lane. Alors après, préféré, je dirais quand même que c'est Alderiat, parce que c'est voilà ce côté skill et aussi complètement délirant en fait, quelque chose d'autre que potentiellement n'ont pas les autres. Bon alors l'ultime était nul hein. Et en plus, on va aller vers le boss final. Donc, si on va vers le boss final, on va récupérer notre petite habitude. Mais quand je dis boss final, pas du tout, car il nous reste. Le défi. On va voir déjà si on peut pas améliorer. Autant pour moi. Le bazooka. Voilà, je pense que pour réussir le défi, c'est plutôt pas mal d'avoir ça. Allez, on se le fait. Je sais plus où il est. Et après, il restera plus que le niveau de fin. Kaylan. Bah, je l'ai cité, mais après, voilà, j'ai quasiment cité tous les gros streamers. À la différence, les streamers que, on va dire, je n'aime pas. Je veux dire, JBZ, j'ai vraiment du mal avec JBZ. Jibs, certains qui l'appellent, son pseudo c'est Jibs. Hein. Oh quoi? What? Non! J'aime pas trop Melon en fait. Melon, j'ai l'impression qu'il tilte parfois un peu sans comprendre pourquoi. Donc de ce côté-là, j'ai un peu de mal. J'aime pas trop Narcus non plus.
Narcus dans le sens il s'énerve un peu trop. Koro parce que Koro n'a pas ce côté, même s'il a tryhard et que j'ai regardé sous le stream quand il est passé. Ok bah j'ai encore perdu. Hein. Quand il est passé voilà. Quand il est passé Master, j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup en fait, il délire trop et j'aime bien quand il y a quand même du beau jeu. Voilà, de manière générale, ceux qui... Alors, c'est complètement applicable à moi-même. Ceux qui tiltent trop souvent ou pour rien, ça me saoule. Genre, oh non, c'est bon, j'ai pas eu le premier kill, je m'arrête de jouer. Ça, c'est pas trop mon truc. Mais putain, je détruis ma propre... Je détruis ma propre base. Oh non, mais non, mais non, mais... Je suis en train de me dire, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas les laisser passer? Voilà. Ah! Non! Je suis en train de détruire ma propre base! Non, j'y arriverai jamais à ce défi-là. En fait, vu que dès que je tire sur ma propre base, je détruis le... Non, c'est pas comme ça que je vais y arriver. C'est pas comme ça que je vais y arriver. Y aurait pas un auto... Y aurait pas moyen de faire un auto-aim, auto-visage. C'est quoi le dernier? Ah, je ne sais même pas c'est quoi le dernier. Rayon d'action. Vitesse d'accumulation, peut-être. Take my word for it. Don't ever drop one of those. Voilà, on va plutôt essayer, voilà, comme ça, la vitesse. Vu que je rate beaucoup de tirs. Ouais. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des streamers LOL. Que moi je regarde en tout cas. Par contre, au niveau des LCS, c'est OGaming que je regarde. Je ne supporte pas les games, les commentaires de Eclipsia. Ah oui, je déteste Kameto. Enfin, je déteste, bien sûr, c'est un grand mot. Mais c'est pas du tout mon truc. M'en fous de m'en prendre plein la gueule du moment que je peux tout détruire. Non! C'est pas grave, je vais le laisser passer, je vais le laisser faire sa merde lui. Ok, lui aussi je le laisse passer, tant pis. Non mais il m'en reste 32 à tuer, non mais c'est impossible, impossible. J'espère gagner le giveaway. Il y en a plusieurs. Après, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul giveaway sur Wall. Il y a plusieurs. Alors du coup, tant pis. C'est peut-être la seule mission qu'on ne fera pas. On va aller faire la mission de fin. Voilà.
va aller faire la mission de fin. Tant pis. Tant pis, celle-là, elle me saoule. Je sais de l'essayage, ou elle me saoule. Peut-être quand même prendre le canon pour finir. Quitte à prendre le canon. On va prendre la tornade. Ouais. On prend la première arme du jeu et la dernière arme du jeu, comme ça au moins. Donc en tout cas, il y a... Du coup, au final... Allez, on va dire il y a trois giveaways ennemis lors du marathon. Il y a celui qu'on va gagner au tournoi, mais ça, il faut le mériter pour gagner. Il y a celui de la chance, celui de tirage au sort. Il y a celui du quiz et il y a la clé de Stardew Valley, une clé de Stardew Valley aussi également. Et ça, faut juste aimer Stardew Valley pour avoir envie d'y jouer. Et puis je choisirai qui gagne la clé. Just needs to get that shard from Zulf and come on home. Oh là, et il y a un trou. Trou du coup. The calamity hit the Tazzel terminals hardest of all. J'aime bien quand il tire, il y a ses petites lunettes, vous voyez? Mais ses petites lunettes. You know why Zulf went back there. The place was his home. All his old friends and family were there. Taken by the calamity. Wow, c'est moi ou elle m'a arraché le cul là. Alone, non non c'est bien ça, il m'a bien arraché le cul. Okay. You know what's funny? Zulf's waiting. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils m'ont donné un fortifiant par ici. All we can do is sit and talk. All of us are waiting. Poor kid. Voilà, tranquille. Tranquille, tranquille, tout va bien, on a perdu que un fortifiant dans l'affaire. On est full life. Mal tout seul, c'est bravo. Look around. There's not much left to do here in the Bastion, I'm afraid. So why not tell each other stories to pass the time, right? Alors du coup j'ai pas vu ce que faisait le... Ah oui bah oui j'ai pris celui-là, comme... Ah et puis j'ai même pas changé les potions de... D'accord, ok, bravo. Ah mais c'est comme ça, de toute façon, dans tout tournoi, il faut des gagnants, il faut des perdants. Je m'attends même pas moi non plus à passer le premier tour. Enfin, je m'attends même pas à passer le premier tour. C'est pour ça que d'ailleurs je vais faire, on va dire, une game de chauffe avant et que le tournoi ne commence qu'à 13h30. C'est pour me chauffer un peu parce que sinon je sens que je vais faire de la merde, je vais paniquer et je vais me faire éliminer dès le début. Mais après, si je me fais éliminer dès le début, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, j'ai tout raté. Bravo. This disease the ever planted here will go away. Tac, ça c'est fait. Il reste un petit oiseau là. Voilà, merci à lui. What happens to Zulf
What? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh bah. Un fortifiant et des HP aussi là-bas, donc ça ne me sert pas à grand chose. Zaylandia will be whole again. What? Everything will be back to normal. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'ils me lâchent tous, ils me lâchent tous une potion, quoi. D'accord. Problem is. Oh! Oh non! Ah non, je. Ah merde, je savais pas si c'était par là. Je pense que va aller en finale, il traîne tout le temps. Ah. Tant mieux, comme ça au moins il m'éclatera dès le début et je dirais, ouais, j'ai perdu contre le gagnant du tournoi. Pour ma part, je suis pas du tout entraîné. Things will go back to the way they used to be. That's the power of the Bastion. This whole place is a living record of the times before the calamity. The way things were before this story. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Good times, right? What? You follow me? Comment ça on peut sauter maintenant dans le jeu? Non mais c'est abusé ça. La compétence qu'on veut depuis le début du jeu, on l'a que maintenant. You be your old self again. Think of all those times that didn't go your way. La compétence du début du jeu qu'on a maintenant. Enfin, qu'on souhaite depuis le début du jeu, sauter. Hop là! Hop là! Hop là! Oh non, 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 non. Bon, bah tant pis. Je suis tombé. All of life's little setbacks. Youpla! 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 Imagine if you could have another go at him. Ah oui, d'ailleurs, par contre, j'ai intérêt de me bouger le cul là parce que j'ai l'impression que la terre est en train de trembler. Hein. No mistakes. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ah, tu m'en veux pas, copain, mais je me casse, hein. Parce que vous allez crever ici. Moi, je veux pas. Hop là, moi, je me casse. Everything you've ever done. Hop là. You could do it over. Ouh. And wouldn't that be grand? Ah, par contre, toi, je vais te prendre le temps de t'éclater. Wouldn't you agree? Voilà, bravo. Parfait. On est full life. On a qu'un machin en moins. Go. I guess there's nothing more to say. J'ai envie de troll contre Théo, mais ça sera un manque de respect. Mais j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez. Au contraire, moi je vais flame comme un gros porc, alors que derrière ça sera de la. C'est que de la gueule, j'ai envie de dire. Ça va être très drôle. Enfin, pour moi en tout cas. Je compte sur vous. C'est pas par là le chemin? Par où? Ah d'accord, c'est par là. Look. There's something else. A confession. How come I know so much about the Bastion? C'est trop marrant, en fait ils tirent, oula, ils tirent, je reste dans mon petit bouclier à moi, et puis dès qu'ils ont fini de tirer, well, bah, je leur prends un contre. Enfin, un contre. But that's the point. Là ça va pas être possible. Voilà, en deux fois sans frais. Non, la compétence de saut, quoi. There's one problem with a place that sets things back to a bygone time.
Pas mal, mine de rien, pas mal le niveau de fin, saut, tout ça. So you're probably wondering if the calamity happened already. Ah, je vois que tu ne te mets pas plus de pression que nécessaire. Tu sais, ouais, faut que je leur prouve que machin, un truc. faut que tu sois là. Ok, c'est la suite. Voilà, bien. Effectivement, si tu rencontres quelqu'un, voilà, go, et si tu te fais éliminer dès le début, eh ben tant pis, c'est comme ça. Ben, le père de Zira, signe les travaux de l'alchimie, blablabla, blablabla. Allez, boss de fin. You're wondering if there ain't some other way out of this mess. It's all right. I can tell. But why would you even want another way? Unless you wanted to stay here with us. Alors par contre, je suis arrivé de par là, c'est ça? Oui. Pas de chemin. Alors du coup, je passe mon temps à faire des sauts. Hein. Youpi! Well, that's sweet and all, but I don't know if I can stick around. Je veux bien tout nettoyer, hein. Si vous me donnez des fortifiants, y a pas de problème. C'est au cas où quoi, je les avais tout de suite. Oh tiens, un taureau. The weight of the calamity. It's on our shoulders. We can't just let it go. What? C'est quoi cette merde? Mais je suis lent du cul! Oh! Par contre, l'ultime est pas mal. Strictly speaking. Je peux défendre, d'accord. Non mais, vous êtes sérieux? Un bélier? Putain, je pète des murs, quoi. Le blanc, ouais, c'est bien en 1v1, c'est très très bon. De toute façon, je pense que de manière générale, ça va être les mid laners et les top laners vont être assez assez efficaces, et puis bah, les ADC de manière. Je pense que les jungles, hop là, les jungles et les supports sont probablement très nettement moins forts en 1v1. Après on peut jouer le farm, hein, on n'est pas obligé, on peut jouer le farm. Heavy. On peut jouer la première tourelle. Par exemple, si... Eh ben, une fois que vous avez mis la tourelle à, c'est quoi, c'est moins de 25% d'HP, course, eh ben vous pouvez la faire sauter avec une bombe, back. Avec un spell, et vous pouvez jouer la tourelle. Et ouais, but then again, ça peut être une façon de gagner. Faut jouer avec son cerveau également. Bon, je joue jamais Ziggs, hein, c'est pas la strat. Mais... Together. Voilà, tu vois, je la donne. Ça peut être à travailler. Bon, la dernière vidéo va être très longue, je suis désolé YouTube, enfin, je suis un petit peu de plein de choses. Alors, voilà. Merci les gars, au revoir. Ah mais non mais... Voilà. Putain mais qu'est-ce que je fous avec ça quoi. Je me balade avec un pilier. J'avais envie. Et je leur fous des grosses satanes. Zolf and the Ura. All they want now is to see the Bastion fall. Mais non, mais je suis lent du cul par contre, et ça c'est chiant. Zolf dedicated his life to a lasting peace between the Ura and Ceylandia. Et je peux pas, bien sûr, comme il n'y avait pas d'arsenal, je peux pas changer d'arme.
Ok, ouais, bah en fait c'est l'attaque avec B qui vaut vert, quoi. D'accord. Ils apparaissent, ils disparaissent, quoi. C'est de la magie. Ouais, c'est ça. D'accord. Aïe, mais protège-toi! Alors par contre, j'ai acquis la capacité de sauter, mais je peux plus sauter. Je sais même pas pourquoi je défends en fait. Il a essayé de vous prévenir sur ses plans. Il a essayé de vous prévenir le kid. Oh, ça y est, je vous atomise, bonjour! Dagali, gagada, go 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 go, ouais voilà, allez, prenez mon gros pilard dans le cul, pardon, bonjour. Resolve, this ain't a personal matter. Et il me faut un sacré temps quand même. Mais il me défonce le... Ils m'ont fait très très mal, je n'ai plus de potion. Voilà. Such a shame. Such a shame. Ah, ça y est, je l'ai eu. Pardon. Shame. Shame. Such a shame. Oh, mais... Putain, c'est ce boss-là, qui est un mini-boss, qui maintenant est un... Et c'est quoi cette idée de foutre un pilar là? Je me balade avec un pilier. Très bien. One thing's for sure, the Ura can't be happy that the kid followed Zolf all the way home. Alors là, du coup, on a gagné parce qu'on a le tesson. Ils sont en train de s'acharner sur qui là? Bon, j'active l'interrupteur d'abord. Je peux pas. Ah, il y a deux fins. J'aime pas jouer avec le pilier au final. I can see it now. The kid in one corner and Zolf in the other. Ain't much of a fight. Ah pardon, ça doit être par là alors. En plus, on va faire la fin gentille. OK, c'est par là, je suppose. Don't you worry though. Once the bastion's restored, it'll all be all right. Donc il y a deux fins, très bien. You ain't still thinking about that whole leaving the city thing, are you? Tu viens nous tirer dessus? Ah mais j'ai pas le choix. J'essaye d'évaluer les dégâts que je me prends, mais ouais, ça va être un peu dur.
jamais j'y arriverai. C'est bon, je suis passé en phase invulnérable. Arrêtez de me tirer dessus. Non, je dis ça et ça y est, c'est parti. Ah! C'était un rebelle. Kid's probably dealt was off by now. He reminds me of myself when I was his age. I ever tell you about those days? Hey, kid. Get up, kid. Funny. I say get up. That's more like it. Now, set that shard into the monument there. Then we'll talk. The bastion. Le dernier. It's finally finished. Now, there's something I want you to see. Welcome to the heart of the Bastion. I ain't one for long goodbyes, so here's the deal. Zia and I figure you've done the heavy lifting, so you get to do the honors. Merci, oui, s'il vous plaît. I can tell you how to work this thing if you got any questions. Hey, kid. You can undo the calamity here and now. Go on, kid. And before I forget, thank you. Always wondered what the motherland was like. Not that it matters anymore. Zolf only brought more ruin to the Ura. No wonder they didn't take kindly to him. Des objets qu'on a récoltés au fur et à mesure. You've got one thing left to do, so you hang on to that badge. Besides, you earned it. Excusez-moi, je suis complètement dans le. Don't let anything you've done get to you. You could save all those creatures here and now. You made it. So, let's see. You can either prevent the calamity, or stick around with me and Rex. I'd hate to be in your shoes. If I could be any place I wanted, I'd stay right here. We could go anywhere in the world. Zolf tried to talk me into joining him. I tried to talk him out of it. I guess we both failed. When I finally found my people, I told them we could help. They just took me for a traitor. Glad you showed up. Any moment I'd want to live again happened after the calamity, not before.
Just go with your gut. You'll do the right thing. Ready to get this over with? Un état du monde antérieur est irréversible. La restauration. And it vibre. It's finished. Now sit tight. It'll be over soon. No matter what happens next, you're done good. I suppose all that's left is to try and remember this moment. The Bastion's gonna take us back to a better time before any of this. Forget everything you've done, and each other. Though after all we've been through, I find that hard to believe. So long, kid. Maybe I'll see it in the next one. Ceylandia, we're coming home. Du jeu. C'est là que je regrette de pas m'être plus impliqué dans l'histoire. Je crois que je regarderai mes propres vidéos pour lire en fait toute l'histoire, tout ce qui s'est passé, parce que je me suis pas trop attaché. Je pense que c'est un jeu qu'il faut faire plusieurs fois. La première fois, moi, je le fais pour le gameplay, La seconde fois, peut-être plus se concentrer sur l'histoire. Vu qu'on connaît les mécaniques, les armes, on se contente de faire ce qui nous intéresse et se concentrer sur le... Par contre, les musiques, à tous les niveaux, sont excellentes. Que ce soit celle du jeu ou celle chantée comme actuellement. Et remerciements particuliers. Étonnant quand même qu'un si petit jeu ait autant d'armes et de combinaisons possibles en fait entre les armes. Le jeu est relativement court, ça doit être de l'ordre de 9-10 heures, et pourtant il a une quantité d'armes d'upgrade assez forte. Pour ma part, j'ai pas joué du tout en difficile, hein. J'ai à peine mis les dieux. Et je pense qu'en mettant les dieux, le jeu a moyen de se durcir profondément et prendre une dimension complètement différente. Toujours laisser le générique, bien sûr. C'est un minimum de respect envers les personnes qui l'ont fait. Et surtout, je suis sûr qu'il n'est pas passable. J'appuie sur A, c'est pas le cas. J'ai pas envie d'appuyer sur Start en fait. Là, on va arriver au bout.
Donc on laisse défiler. Effectivement, nous dit, ça arrive vraiment à la fin de la fin. D'ailleurs, YouTube, pour éviter que voilà, le son de la vidéo se fasse strike, etc. Je vous fais des bisous YouTube. C'était donc la dernière vidéo de Bastion. Excellent jeu, donc qui date de 2011. Pas très cher sur Steam. Profitez-en. Un jeu d'une dizaine d'heures, vraiment sympa et des musiques d'exception. Des bisous YouTube et à plus tard pour une autre série. Voilà, bien sûr. Ciao.